Se non ci sente la musica in sottofondo, sembriamo due cretini. Bonjour les amis. Bienvenue chez nous, à la Maison Maison Cozzo. Prépare une recette pour les fêtes. Eh oui. Une recette un peu festive et tout. Voilà, on a les décos de Noël derrière, je sais pas si on voit. On a la musique de Noël en fond. Je sais pas si on entend, j'espère. Sinon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait risotto. Un risotto. Crème de courgettes et aux gambas. Donc c'est une recette un peu pour les fêtes, un peu Noël, parce qu'il y a les gambas, c'est assez spécial et tout. Donc on espère que vous allez être contents qu'on vous la partage. C'est une de ses spécialités, le risotto. Merci, c'est trop bon. On commence avec les ingrédients, alors. On y va. Alors, pour cette recette, vous avez besoin donc de gambas. Attention, gardez bien la queue et la tête parce que ça va nous servir pour plus tard. Vous allez voir. Voilà. Ensuite, du riz. Le riz, il faut absolument avoir le riz, les carnaroli. Ça, c'est le riz carnaroli pour faire le risotto. Et ça se trouve dans les grandes surfaces. Oui, dans les grandes surfaces. Ensuite, de la menthe fraîche, du sel, toujours notre petit truc de sel, du poivre, de l'huile, des tomates coupées en deux, comme ici, des oignons, des échalotes, pardon, et des courgettes coupées en petits morceaux. C'est ça, et un petit arbre de Noël. Et un sapin de Noël. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Donc, on coupe les échalotes. Faites une petite danse. Ouais. Regardez, on a fait notre sapin de Noël tout à l'heure, il est pas trop beau. Donc, on revient à nos oignons. Tu pleures? Non, pas encore. Non. Bon, voilà, on a des petits morceaux d'échalotes comme ça. À nettoyer. J'ai déjà nettoyé les gambas. Mais je vais terminer et celui-là, je le garde entier, comme ça, je fais la garniture de l'assiette à la fin. J'enlève justement s'il y a la sable. Non, c'est bon. C'est propre. Je le garde. Je le coupe comme ça, mais je le garde entier. Voilà, comme ça, je fais la. Ça y est, bon, on a nettoyé tous les gambas. Maintenant, on va faire une espèce de bisque. Une espèce, c'est pas un vrai bisque, c'est pas, il n'y a pas tous les ingrédients pour faire la bisque, mais c'est une espèce de bisque. Voilà. Des échalotes, on les met dans une casserole, huile, allume, un peu. En même temps, je fais un peu d'huile même ici, car même ici, on a besoin d'une échalote. Ah, on va un peu d'échalote ici aussi, dans les deux casseroles. Dans une casserole, on fera cuire le reste de gambas pour faire un autre bisque. Et ici, on fait cuire les courgettes pour faire après une soupe. On va mouliner tous et on fait une crème. Voilà, on jette les restes. Enfin, les pots. Une chose importante, il faut bien écraser les têtes pour faire sortir tous les les saveurs. La saveur, le jus. Baisse un peu. Ça sera la base pour cuire notre riz. Le risotto. Et donc ici, on n'a pas encore allumé le feu, on l'allumera plus tard. Non, bien sûr, on est en train de traiter ça. Ouais. Après, on peut rajouter quelques petites tomates. Pour donner encore plus de saveur. Les saveurs, l'odeur est déjà magnifique, franchement. Du sel. Et de l'eau. Au moins 1 litre. Voilà, et là on les laisse
cuire pour un quart d'heure, 20 minutes, qui relâche tout la saveur. Les saveurs, voilà. Et après, on va les mouliner. En même temps, on allume les petites pour faire la crème. C'est forcément peut-être un peu trop petite, mais on peut la préparer ici. C'est mieux. Et un peu plus grande, le feu. On mélange un peu l'échalote. Bon, c'est pas encore en train de cuire, mais voilà. Ok, ensuite, quand vous avez allumé votre feu et que ça commence à frire, vous allez jeter, vous mélangez un petit peu, voilà, juste histoire de bien homogénéiser. Et après, vous allez jeter vos courgettes. On mélange un peu. Bon, on a un peu une casserole petite, mais c'est pas grave. Oui, on n'a pas besoin de trop de, ouais, de crème. De... Ça sent bon. On doit prendre un peu de saveur. Oui. Et après, on mettra l'eau même là, parce qu'il doit cuire beaucoup. Parce qu'après, il sera mouliné même là, pour devenir une crème. Ok, maintenant vous allez mettre du sel. Un petit peu. Le sel. Un petit peu de poivre, bien sûr. Même ici, un peu de poivre, allez, pourquoi un pas peu, ouais, ouais, mais oui. Ouais. Un peu d'eau pour la. C'est ça. Il a pris un peu de saveur. Mmh. On attend qu'il sonne un peu. Il a pris un peu de saveur avec l'échalote. Après, on commence, on rajoute l'eau car il doit cuire beaucoup parce qu'il doit devenir après une soupe. Comme ça. Ok. C'est bon. D'ici, voilà, et on va attendre. On mélange un peu là-bas. Parfait. Et maintenant, pour un quart d'heure, on attend que toutes les choses ils vont bien cuire. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout. Pendant que. Les crèmes, ils sont en train de se cuire. On coupe les gambas en petits morceaux, comme une espèce de ragoût bolognaise, comme de la viande hachée. Un peu de poivre. Un peu de sel. Ah, et donc là, les trois, on les laisse, comme on a dit tout à l'heure, pour faire après la garniture à la fin. Voilà, un peu de sel, un peu d'huile, un peu de poivre. Et on laisse un peu mariner. On mélange un petit peu. Oula, c'est fort là. Il doit relâcher tous les parfums. Et là, on laisse un petit peu que ça prenne l'assaisonnement. J'ai envie de manger, je peux manger un bout. Bon. Ok, après un quart d'heure. On a mis des couvercles aussi pour aller un peu plus vite. Pour éviter qu'il y ait de la fumée partout. Après un quart d'heure, c'est bon. Voilà, ça a bien cuit. On va commencer. On met quelques feuilles de menthe. Et d'un peu de couleur. Et c'est, franchement, c'est très bon. Dans les courgettes. Pas trop, hein, mais c'est juste. Donc on a éteint le feu, hein, bien évidemment, les deux. Voilà, et vous commencez à bien à mixer. Ok, c'est bon. Voilà, donc vous mixez les deux.
Ça suffit, même s'il y a encore des parties un peu grandes, ce n'est pas grave. Parce que l'important, c'est d'avoir les liquides pour cuire les risottos. Voilà, c'est bon. Donc, on peut commencer. La vraie, finalement, cuisson du risotto. L'important avant de mettre le risotto, c'est de faire sauter, mais vraiment 30 secondes, les gambas. Dans l'huile. Ça, c'est très important. Bon, là, vous attendez que le... l'huile se réchauffe. Ça a l'air bon, tout ça. Ah non, ça, pas trop, mais... Regarde un peu le feu, comme ça, il reste un peu chaud. Voilà, là, commence à frigoler. On peut jeter. Et même les toits. Entier. On fait prendre un peu les couleurs, hein, 30 secondes, hein, ça suffit. Hein. Voilà, on les retourne un peu. Voilà, c'est fait. Pas trop, parce que sinon, après, c'est trop cuit. C'est trop, c'est ça. On enlève tout de suite, tout quoi. Pour cuire, moi personnellement, pour cuire les risottos, je mets de l'huile, mais même des beurre ensemble. Ça, c'est personnel. Vous pouvez mettre que de beurre ou que de l'huile. Mais... l'huile meilleure les points de fume, de fumée, de l'huile. Je ne sais pas comment expliquer, mais ensemble, par les autos, c'est quelque chose que c'est plutôt intéressant. Ok, on est prêt pour... le jeter. Finalement, pour jeter notre risotto et le faire toaster à sèche. Ok, on laisse tostare. Tosté. Notre risotto en tournant le beurre comme il va s'effondre en même temps. Il doit bien toaster. Hein? La température, oui. Combien de temps on laisse? Le temps nécessaire, 2 minutes, 2-3 minutes. Et dès que le risotto commence à prendre couleur, à se réchauffer bien, on peut commencer à le faire cuire justement dans le précieux juice qu'on a préparé. Et voilà. Comme ça, il aura vraiment la saveur de la gambas qu'on a mis, des tomates. Exactement ça. Et ouais. Voilà, comme ça, ça aura vraiment un bon goût. Miam, trop bon. Et là, on laisse combien de temps? Maintenant, il faut le cuire pour alentour 20 minutes. Et il doit toujours être couvert par le jus, succo, par le jus. Par le jus. Et à fur et à mesure, on va rajoute un peu. On va rajouter. Okay. Toujours filtré, parce que c'est plein de morceaux. De morceaux que sinon, il va tomber dans le... et c'est pas bon, ça. Hein. Ouais, ça, c'est bien évident. C'est pas un bouillabaisse, hein?
verrez, ça devient magnifique. Ah, ouh, un compagnon. Voilà, donc oubliez pas de toujours mélanger et voilà, ajouter progressivement votre bouillon. Et on alterne un peu des bouillons de poisson avec un peu de bouillon de courgettes. Maintenant que je commence à insérer même un peu de courgettes. Donc ça, on n'est pas obligé de filtrer parce que de toute façon, la courgette c'est bon. C'est pas nécessaire. Et voilà, c'est bon. Allez, à dans 20 minutes. Petite précision en plus pour que vous compreniez bien à quel moment il faut rajouter un peu de ce jus. Il faut toujours, voilà, que comme tout à l'heure, Dani, que ce soit bien couvert. Donc quand vous voyez que ça, parce qu'à chaque fois le jus il continue à s'absorber dans le riz, donc quand vous voyez que voilà ça commence à être, enfin que on voit trop le riz, vous en rajoutez. Voilà, comme ça vous savez à peu près comment le mettre. Après, vers 16, 17 minutes, 18 minutes, étant alentour 20 minutes, vous commencez à goûter en fait. Il faut faire attention, faire gaffe de ne pas mettre trop liquide parce que si se terminer la cuisson et il y a encore trop de liquide, ça ne va pas. Il faut que la cuisson va se terminer avec le liquide correct. Je vous montrerai. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Surtout, il faut continuer à tourner par contre. Encore un petit peu. Jusqu'un petit peu. Ouais. Bon, dites-vous qu'en tout, plus ou moins, voilà, c'est une vingtaine de minutes. Après, vers la fin, on fait un petit peu au toucher, à la texture, quoi. Ça, c'est une typologie de risotto, mais il y en a énormément. Je préférais des risottos aux champignons quand Valentina ne se regarde pas ici parce qu'elle déteste les champignons. Déteste ça. Et milliers d'autres parfums. Oui, il en existe vraiment beaucoup, donc on vous en fera d'autres. Au champagne même, ou au vin blanc, c'est moins cher. Et les autres, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire avec n'importe quel ingrédient. Parfum. Oui. Avec la salsiccia, avec le fromage, avec le vin de Bordeaux. Les autres au Bordeaux, c'est magnifique. C'est bon? Oui. Maintenant, donc, ça va. Alors, il faut. On va les faire sécher un peu. Oui. C'est ça. On ne rajoute plus de jus. De jus. Jus. Voilà, donc là, on a vraiment presque fini toute la casserole et là aussi. Oui, oui, c'était la bonne quantité en fait. Ouais. On va faire sécher encore un peu. On va incorporer les gambas de tout à l'heure, bien, ils font un peu de travail. Mais de toute façon, le risotto il est déjà plein du parfum de gambas, car on l'a fait cuire dans le parfum de gambas. C'est ça le secret en fait. Sinon, tu te trouves un risotto blanc avec, oui, quand tu manges les morceaux de les petits morceaux de gambas, ils savent, ils goûtent ça sent, de. Mais sinon, tout le reste. C'est moins riche en saveur. Pour moi, le risotto, c'est prêt. On la laisse relaxer un peu. Voilà, on entend le feu de tout. Et on attend. On attend. On ajuste des poivres et des sels s'il y a besoin. Mais comme vous voulez, hein, ce n'est pas nécessaire. Très bien. Il est bien crémeux, vous voyez. Regardez comme il est bien crémeux.
Donc c'est vrai que c'est une recette qui demande un petit peu plus de préparation et ouais. de... Oui, le risotto, oui, c'est plutôt long voilà. comme préparation. Et surtout celle-ci au gambas avec les deux chips c'est de... Ça. Mais franchement, pour Noël et tout, c'est vraiment pas mal. On tape sur l'assiette pour élargir le risotto. Et là, on met les restes, enfin les trois. Je ne suis pas un pro, hein. Je ne suis pas un chef, désolé. Hein. Mais je mange à la maison, hein, moi. Mmh, je suis un passionné, hein. Je ne suis pas un chef, comme vous avez dit, comme j'avais déjà dit. Hein. Je veux apprendre à personne. Hein. Moi, je fais ma cuisine, si vous aimez ou vous pouvez essayer, c'est un plaisir. C'est un conseil, mais après, chacun y fait comme il veut. D'accord? Ça, c'est l'esprit. Bon, allez, maintenant, il faut goûter, comme d'habitude. Ah oui, malheureusement. Moi. Tranquille, doucement. Ok, on prend une bouchée, un petit bout. Non, les gars, c'est trop bon là. Non. C'est vrai? Je peux essayer moi? Non. Vous goûtez? C'est incroyable. Non, il faut la faire. Là, vous devez la faire. Là, c'est une obligation. C'est trop bon. Ouais, franchement. Voilà, franchement. Faites-la. Hey, oh, allez. La maman, la cameraman, cameraman. Tant mieux. Bien. Bon. C'était des risotto avec les gambas et les la courgettes. Crème de courgettes. La crème de courgettes. J'espère que cette recette vous avait pu intéresser ou vous a plu et que vous allez la refaire aussi. Eh oui. Hein? Voilà. Si vous avez des doutes, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci. Nous, on est là pour vous aider même. Voilà. Si likez, abonnez-vous, mettez la cloche. Faites tout encore une fois parce qu'il faut vraiment qu'on évolue là. Voilà. Sinon, on ne développe pas. On ne développe pas. Ciao, belli. Ciao. Ciao, ciao.